Ici pour tous les corps Steven, pour lui venir rendre l'image, pour lui dire à Dieu de la foi, pour lui confier lui, bon Dieu son créateur, qui vient donner lui sur la vie de la terre, et après un appel lui, pour lui continuer à vivre avec bon Dieu. Après nous morts pour cela la terre, la vie terrestre est terminée, mais nous pas morts entiers. Nous, et donne-nous la vie après. Et nous là pour prier aussi pour les mains de bon Dieu, pour réconfort, donner consolation de sa bande qui est Steven, une qui est derrière. Son maman, son bon frère, soeur, son bon membre, la famille et ses amis. Ça qui est Steven, il était pour nous, pour que nous vivions avec lui, un bon souvenir, qui nous garde, et aussi tout ça qui était pour bon Dieu. Seigneur, tu accueilles tout et tu connais aussi le demande de nos silences. Nous te prions pour Steven qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va voir, c'est pas Steven la croix.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix de la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonne foi et c'est, chers membres de la famille, nous venons rassembler ici la cathédrale pour confier nos frères défunts Stephen à bon Dieu. Bon Dieu n'appelle lui, il fait sa patience par la mort. Il est mort, bien sûr, le corps est mort. Le corps n'est plus capable de tenir la vie. Voilà. Et nous mort, nous rendons nos derniers souffles. Le corps est mort, mais il nous promet pour les ressusciter un jour. Mais nous l'âme pas mort, parce que nous l'âme immortelle. Nous l'âme, il y a le coup de bon Dieu. En attendant, nous le corps qui est ressuscité. Et voilà, mais nous pouvons prier de ça la foi, de ça l'espérance, chrétien. Et nous basons. Premièrement, nous demandons bon Dieu pour recevoir Stephen dans son la vie, dans son royaume, dans son la vie éternelle. Et aussi, nous prions pour Ban qui Stephen et qui derrière son maman, son bon frère saint, sur les autres membres de la famille, son bon ami. Et nous prions que bon Dieu il donne consolation, il donne d'autres consolations dans ce moment difficile. Et nous avons aussi un bon monde qui peut suivre sa service à travers live streaming. Bonne famille, membre famille, ici même, même à l'étranger, et aussi bonnes amis qui sont capables de venir assister à l'enterrement après-midi. Mais nous pouvons prier ensemble. Au commencement de sa service, nous pouvons demander aux membres de la famille pour venir prendre la bougie. Vous autres, allez me la bougie qui est autour de ces quilles. Nous ranimons cette flamme près de Stephen, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Sous son baptême, Stephen est marqué avec la croix de Jésus-Christ. À cause il n'a pas atteint au Christ, pas dans son lavé de la terre, mais aussi quand il fait sa passage par la mort. Mais alors, m'a demandé sa petite grâce à garçon pour lui déposer la croix au cercueil. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Stephen et pour chacun de nous. Malgré la tristesse que la mort y emmène dans la vie, c'est tout nous qui restons derrière, pour ça qui n'a allé, il n'est pas triste, il est dans le coup de mon Dieu. Mais nous tristes, à cause nous sommes contents et nous ne pouvons pas aller encore. Alors, de ce moment-là, nous venons le cœur Seigneur et nous disons, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partage nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille, les proches, les amis de Stephen qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on va assister à présent pour nous écouter lecture.
A reading from the letter of Paul to the Romans, chapter 6, verse 3 to 9. Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with him through a death like his, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. This is the word of the Lord. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme qui s'appelle Lazare, qui tombe malade. Il est resté à Béthanie, la ville, côté Marie, et son sœur Marthe, qui est resté. Ses autres frères Lazare, qui est malade. Sa dessin, Lazare, qui envoie dit Zézé, Seigneur, où sont mis les malades? Quand Zézé entend ça, il dit, sa maladie ne peut pas emmener la mort. Il n'a pas servi pour la gloire de bon Dieu. Il n'a pas servi pour montrer majesté, garçon bon Dieu. Cependant, quand il a eu message que Lazare était malade, il est resté dans cet endroit où il était pour 2 jours encore. Après ça, il dit avec son disciple, on nous retourne Sidé. Quand Jésus est arrivé, c'est dans 4 jours. Depuis que Lazare est dans le tombeau. Béthanie est près avec Jérusalem, une distance à peu près 3 km. Et quand il était juif, il vient consoler Marthe et Marie pour la mort de son frère Lazare. Les Marthe attendaient que Jésus était venu et est sorti pour le joindre, tandis que Marie est restée assise contre la case. Marthe dit à Jésus, Seigneur, sous-tu là, mon frère n'est pas de mort. Mais je connais quand même ça à présent. Bon Dieu pour accorder tout ce que vous demandez. Jésus dit, au frère pour ressusciter. Marthe répond, je connais qui pour ressusciter, jour résurrection, la fin du monde. Jésus dit, mais c'est moi-même résurrection. Et que la vie, sans haine qui croit dans moi, même si avant de mort, il peut vivre, sans haine qui vive et qui croit dans moi, pas pour sans mémoire. Est-ce que vous croyez ça? Marthe répondit, oui Seigneur, mon croire qui ou même Messie, garçon bon Dieu, qui devrait venir dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous avons baptisé. Là, il fait des désinfectés lecteurs. Ça qui pour faire témoignage. Il y a une volonté pour faire son témoignage. Stephen was born on the 19th March 1954 in Nairobi, Kenya. His full name is Joseph Stephen Dias, which is also St. Stephen's feast day. He was fondly referred to as Pipon Blanc, but I preferred to call him Jan. Our parents are Sunny and Rita Dias. Stephen was the fourth of 6 children, Royce, Gracie, myself and Stephen, and followed by Derek and Elvis. 19th March is not only his date of birth and St. Joseph's feast day, but it's also the date that he progressively started to feel ill and had to be admitted to Dauphin Ward. Not easy to forget that, because the doctor wished him a happy birthday on that day.
He was an accomplished goldsmith, having completed his apprenticeship with the reputable De Silva Jewelry back in the 70s. Many people in Bel Air will remember him as the one who repaired their jewelry, rings, earrings, necklace, bracelet, the works. He was the one who made my wedding ring and that of my husband in 1976. I think it would be fair to say that Stephen was Mum's boy, and that may explain why he has never why he's remained single and never fathered any children. They were very close, although sometimes Mum would admonish him for his tendency to drink a little too much. His last wish was to see his mum, but unfortunately, Mum suffered a severe stroke and is having physio at Naughty's Point. His condition, Stephen's condition, deteriorated rapidly and sadly never got to say his goodbye to my mum. But wherever you are, Stephen, please join forces with Daddy, Royce, and Gracie to keep an eye on us. Sleep easy, Jan. Adieu, Stephen. When my way grow dream, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord. Take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. That the city so bright, where the lamp is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Lead me home. Take my hand.
Seigneur, sous-tu là, mon frère, pas chaban mort. Nous tous nous disons ça, les yaïb la mort de nos familles, les nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, les gens qui nous content, qui nous habitent avec, ils morts. Seigneur, sous-tu là. Ça veut dire, nous peut dire Seigneur, comme si nous pouvons reprocher par Emmanuel avec Marie dans l'évangile. Ça, qu'ils ont pu reposer, il y a la prière qu'ils ont fait avant. Et la prière, c'est une demande bon Dieu pour empêcher notre frère mort, redonner sur la santé. Et la prière, ça. Et dans Kama avec Marie, Zoti ban zami zézi, zami pros avec zézi. Zoti envoie sa message pour lui faire dire qu'on est, qui son zami, il tombe malade. Lazare appartient bien, dit, moun si un homme, il tombe malade, c'est le coup, et son maladie grave. Alors, ma avec Marie, son décès, il inquiète, et Zoti envoie une commission pour zézi, petit divin, Seigneur, ou zami tombe malade. Zoti envoie une commission pour lui, comme un zami, vini. Et Jésus, il a gagné sa message. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il dit, c'est la mort, papa amène la mort, mais pour la gloire de bon Dieu. Et pour montrer majesté, garçon bon Dieu. Et Jésus, pas si vient tout de suite. Et pourtant, il s'est content Marthe, il s'est content Marie, il s'est content Lazare, il s'est content Romain Zami. Et pourtant, pas si vient tout de suite. Il s'est resté dans le droit que tu y étais pour des jours encore. Il est arrivé, la mort ne finit pas sur. Lazare finit mort. Il y en a 4 jours de tombeau. 4 jours de la tombe. C'est même ça qu'il a pris son décès, commence à reprocher Jésus. Seigneur, sous-tu là, nous ferons pas de mort. Nous croyons que tu es capable de faire quelque chose pour lui. Tu as fait un miracle. À cause de Jésus, fait un miracle de temps en temps. Nous dit ça, miracle, mais c'est un signe qu'il fait et accompli quand il lève la mort par les. Il est un fils, la jaillit. Les autres disent, non, ça. Il est un garçon, sa vive. Alors, tu crois qu'il peut faire quelque chose pour Lazare. Mais voilà, sa situation, il représente nos familles. Nos familles, les pasteurs à l'épreuve. Par la famille Darius, qui passe là-dedans aujourd'hui. Il y a une petite, un dimou. En effet, nous ne pas accepter. Sa séparation, sa mort. Alors, combien de fois qu'il nous tente pour nous dire, nous peut blâmer nous les corps, nous dit, est-ce qu'il m'en fait assez? Est-ce qu'il m'en fait assez pour lui? Nous commençons à blâmer nous les corps, nous culpabilisons nous les corps. Et aussi, parler, nous blâmer l'hôpital, nous blâmer le docteur, nous blâmer le nurse, nous blâmer les autres 10 mounes. Voilà, à cause de ne pas encore arriver à accepter sa mort. Et ça est normal. Et doucement, doucement, Seigneur, travaille dans nos cœurs, travaille avec nous, il chemine, il marche avec nous pour nous arriver doucement, doucement à accepter sa réalité. À cause de la mort, il y a une réalité qui tous nous la vit. Et nous tous, un jour, nous ne passons pas là, pas à ses mains. Il n'y a personne qui éteint la terre, pas personne qui rose la terre, qui pierre la terre. Mais un jour, nous tous, sans exception, ça dit quelque chose qui nous suit, ça. L'un nous naît, qui un jour, nous pour quitter ce monde. Et voilà. Mais quand même, l'un nous quitte ce monde, il y a une épreuve qui dit pour sa bande qui nous peut laisser derrière. J'ai une fois, madame Chao, il a fait un témoignage de la vie Steven, son frère. Il dit, voilà, il est né en 1954, Nairobi. Hein, il n'est pas né ici, il est né à Nairobi. Paris, beaucoup de ses lois à l'étang. Et il est venu après avec son parent, Madame Sony et Madame Rita et Monsieur Sony Bayon. Monsieur Sony Dayos. On peut dire Madame Bayon, qu'on a habitué à dire Madame Bayon. Mais voilà, je connais bien hein, dans Bel Air. Et oui, c'est moi Dimon Belé, mon connu bien Steven et son bon frère et Madame Bayon aussi, pareil, mon connu bien. Et oui, pareil, ça témoignage dit Steven, c'est un Dimon qui travaille dans l'orfèvrerie, hein,
Tu travailles dans les affaires de jewelry, tu as non, arrange bonne scène, bague, les autres jewelry, les autres quelque chose que bonne madame si tout imite les autres. Alors beaucoup de monde qu'on dit, il fait beaucoup d'amis à travers son travail. Ça c'est son travail, hein. Il met la joie dans les caisses à bonne monde qui tient une bonne jewelry pour l'y arranger. Et c'est un goldsmith, un accomplished goldsmith. Et puis, pareil dit beaucoup de monde, il est bien sûr, c'est qu'on dit. Et c'est madame, là, il fait dire qu'il donne fait aussi son bag mariage, son bag mariage pour lui, son monsieur. Et comme il y a un bag mariage aussi, il fait pour les autres 10 monde, on s'y pose. Mais voilà, ça c'est Steven. C'est son travail qu'il fait ça avec une grande passion. Il fait son travail avec un grand amour. Il trouve la joie là-dedans. Mais ça même, son travail, c'est bon Dieu qui nous donne ce talent. Ouais. Nous, talent. Tout le monde a un talent. Là, nous gagnons un talent que bon Dieu donne nous. Nous besoin de développer. Non? Nous besoin de développer nos talents. Faire formation, training, faire cet apprentissage pour nous capables de développer ce talent que bon Dieu nous donne nous. Parce que si nous ne faisons pas rien pour développer ce talent que bon Dieu nous donne nous, ce talent pas pour développer, pour rester là même. Mais Steven, tu fais façon pour développer son talent et par son talent, il rend service à une quantité de monde qui aussi sont gagne-pain. Et voilà, il tient du monde tranquille. Moi, je me connais, moi. Il tient du monde tranquille. Et voilà, à la fin, son la vie, une malade. Malade, oui, une malade, et la mort in emporte-lui. Et voilà, mon bon frère Saint, la famille, nous remercions Seigneur pour la vie Steven, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il donne, pour tout ce qu'il fait avec son liqueur, pour tout ce qu'il fait avec son esprit, tout ce qu'il fait avec son âme. Voilà, il fait. Tout ça, bonne bonté, sa bonne générosité qu'il est capable de montrer pendant son la vie. Et nous dit Seigneur, merci pour ce bon moment que nous vivons avec lui. Bon moment la joie, bon moment bonheur, mais aussi bon moment difficile de la vie. Parce que nous, toute famille, il passe dans des difficultés. Et il y a aussi de son journey, une grande difficulté. Voilà. Mais bon Dieu est avec lui dans tout ce bon moment. Bon Dieu est toujours avec nous. Alors nous remercions lui pour la vie Steven. Nous remercions lui pour ça dans les temps que Steven vive parmi nous. Et là, en particulier, nous pouvons prier pour son maman qui est malade, notice point. Moi, je vais comprendre le témoignage. Et voilà, que bon Dieu donne du courage, et aussi donne-lui la santé, donne-lui la foi pour être capable de supporter sa séparation avec son garçon aujourd'hui. Et par son premier enfant qui est mort, mais voilà, pour lui supporter sa bonne épreuve qui peut traverser. Et aussi pour la famille entière, tout. Hein, qui bon Dieu donne nous réconfort et consolation et la paix de sa maman. Alors, ça m'a souvenir que nous vivons avec Steven, il a resté comme un trésor qui sert dans le cœur. Il a resté vivant. Et comme si Steven lui-même, il a resté vivant dans le cœur. Nous dit-il à Dieu, nous dit-il repose en paix dans les bras de bon Dieu, dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie. Et nous dit-il qui un jour n'a pas besoin. Là, nous défend y aller. Il parle définitivement pour l'éternité, non. Un jour, nous pourrons joindre. Voilà, ça, nous l'espérance. Ça qui nous croit là-dedans. Et nous croit vraiment, il pourra arriver. Nous pourrons joindre, camarades. Que Steven, il prie pour son bonne famille, pour les autres qui nous restent derrière, et veille aux autres aussi. Ça qui croit en moi, même si avant de mort, il peut vivre. Et ça, il nous la foi. Et nous connaissons quand même Steven, il quitte sa monde, mais il peut vivre avec bon Dieu. Par nous aussi, Léna quitte sa monde, mais il peut vivre avec bon Dieu.
Voilà, après avoir fait la prière universelle, il a désinfecté l'ectern avant. Après ça, il a fait la prière universelle, il avait venu ici. Jesus, remember me when you're coming to your kingdom. Jesus, remember me when you're coming to your kingdom. We pray to the Lord that Stephen, who in baptism was made a son of God, may now rest and rejoice in God's kingdom of eternal life and love. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui aiment Stephen et qui sont aujourd'hui dans la peine. Sois, Seigneur, leur courage et leur force, qu'ils mettent leur espérance en toi, qui a vaincu la mort et qui donne la vie. Jesus, remember me when you're coming to your kingdom. Jesus, remember me when you're coming to your kingdom. Seigneur, nous prions pour les mondes qui ont y apprennent content sans bosser. Pour qu'il la paix en règne sur la terre, mette la paix dans les cœurs de tout le monde. We pray to the Lord that all those who helped Stephen in his final days know how much their generosity and care are appreciated. Jesus, remember me. Nous imaginons aussi tout bon du monde qui est malade, bon du monde qui est malade avec COVID, bon du monde qui est malade avec les autres maladies, tout bon les autres familles aussi qui passent à travers deuil, à travers la peine, séparation, par la mort. Que bon Dieu aide les autres, donne les autres courage pour qu'ils vivent cette bonne situation difficile. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et viens répondre à nos prières. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous dire un moment. Là va passe la quête à présent. Et nous venons six autres aux autres générosités. Nous prenons un chant. Thank you.
Merci beaucoup. À présent, on n'a pas de bout pour nous continuer la prière. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir, Stephen. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous allons déposer ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus, la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre le cœur entre les mains de notre Père? Il n'a pas dit, c'est la prière qu'il a dit lui-même. Il montrait nous adresse bon Dieu, nous papa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Stephen, notre frère, s'est endormi de la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, de la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie. N'approchant sur le seuil de sa maison. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour nous.
nous arrivons des moments pour nous bénir le corps Stephen. Ça nous demande bien sûr, rappelez-nous son baptême, de l'eau, ça de l'eau, qui te coule sur la tête, nous son baptême, pour les gagner la vie des écrits, la vie de la Trinité. C'est l'eau baptême qui nous plonge dans la mort, mais aussi dans la résurrection des écrits. Ça de l'eau bénie que nous avons servi là, et aussi où les témoins nous l'amour, nous l'affection, nous l'amitié qui nous en a pour lui, mais aussi nous la foi de la résurrection, de la vie qui est plus fort que la mort. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de notre foi, je bénis son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un chant à la Vierge Marie, pour demander pour les consoler, pour les être là avec nous. Et voilà que nous tournons vers Marie, nous maman au ciel, et nous disons les trois je vous salue Marie. Nous aussi demandons pour accueillir Stephen, là où son garçon, et prie pour bon que Stephen est derrière, et prie pour chacun de nous. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, en nous prier. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Steven. Ton amour l'accompagnait tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, mon frère et soeur, nous finissons arrivés à la fin de la prière ici. Et on dit une sincère condoléance à la famille. On a continué à prier ensemble et on a continué à prier pour vous autres. Et nous dit Steven, adieu, jusqu'à jour, repose en paix, jusqu'à jour, qui n'a résonné encore. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on va prendre nos derniers chants. Et après, on va sortir avec les corps. Celestial show.